Bienvenue au Mardi Doc. C'est un cycle de films documentaires proposé par la Fondation Connaissance Liberté Focale. Aujourd'hui, nous avons une discussion autour d'un film documentaire comme tous les mardis à 10h. Tous les mardis à 10h aussi, un nouveau film documentaire est disponible sur la plateforme Eventive. C'est une plateforme où vous pouvez aller et voir les films que nous proposons toutes les semaines si vous êtes en Haïti à cause de restrictions géographiques. Bonjour, je suis Cole Foster-Candio et aujourd'hui nous avons une discussion sur un film très intéressant que j'ai eu un plaisir de regarder moi-même. La discussion va se faire avec la réalisatrice du film. Le film d'abord, c'est Congo Lucha qui est déjà disponible depuis 10 heures sur la plateforme. C'est un film qui a suivi pendant 2 ans la Lucha. C'est un mouvement né de la guerre de l'Est du Congo. Et le film a suivi cette lutte à travers 3 militants principalement. Et nous aurons aussi l'honneur, avec la réalisatrice Marlène Rabault, de recevoir une de ses militantes, Rebecca. Et nous aurons aussi Bélina Charlier, qui est une activiste du mouvement Nous pas de Mi ici en Haïti, qui aussi est impliquée dans une lutte anticorruption. Donc, c'est le programme du jour. Je prends plaisir à vous inviter à la suivre. Et je vous remercie. Toutes les pages sur lesquelles cette discussion est actuellement en direct, je vais citer les pages à la fin de la discussion. Et avant de recevoir les intervenantes du jour, je vais vous inviter à regarder la bande-annonce du film Congo Lucha, le film documentaire qui est à l'honneur et qui est déjà disponible sur Eventive. Le lien pour aller voir le film est dans la description de ce live que vous êtes en train de regarder. Et vous pouvez cliquer après, vous inscrire. Il y a seulement 100 places de disponibles pour que vous soyez parmi les 100 premiers à la voir, sinon vous ne pourrez pas. Et c'est seulement pour le public qui est en Haïti. Donc, on va regarder la bande-annonce et on va revenir avec les intervenants pour une discussion autour du film. Kabila n'est plus légitime. Pour la Lucha, toutes les autorités doivent quitter le pouvoir. Luc, Rebecca et leurs camarades ont décidé de se rendre chez le gouverneur de Goma, la plus haute autorité de la ville, afin d'exiger qu'il remette les clés de son bureau. Stop, stop, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, vous plaît là-bas. Les responsables, c'est qui? Les responsables, c'est qui? Hein? Les responsables, c'est qui? Mon esprit est bien. Je vous demande de rentrer. Lucha n'est pas un mouvement reconnu. Nous avons l'arrêté du ministre qui interdit Lucha, qui interdit aussi Firimbi. Je ne veux pas que je fasse par force. En tout cas, je vous demande de rentrer un à un. Si vous refusez, je vais demander qu'on vous chasse. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Je vous dis que votre mouvement n'est pas reconnu. Ça, je vous dis. Est-ce que vous m'entendez bien? Nous pouvons vous parler, monsieur. Votre mouvement n'est pas... Je vais parler avec un mouvement qui n'est pas reconnu. Moi, est-ce que nous pouvons... Est-ce que je vais parler avec un mouvement qui n'est pas reconnu? Est-ce que nous pouvons... Je dis ceci. Donne. Est-ce que nous pouvons... Allez, écoutez, rentre. Est-ce que nous pouvons... Rentrez! Est-ce que nous pouvons vous parler? Allez, bouclez à main. Les journalistes, laissez-nous. Entrez les gens. Entourez-les. Vous récupérez un à un, vous mettez sur ma chip. Un à un, vous mettez sur ma chip. Lentement. J'aime les Congolais, 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 j'aime les
Les militants seront rapidement libérés. Leur arrestation aura un retentissement énorme sur les réseaux sociaux et leur courage donnera un nouvel élan à la jeunesse de Goma. Voilà, nous avons donc vu la bande-annonce du film, qui est aussi un extrait du film. Et je vous rappelle que vous pouvez le visionner à travers le lien qui est en description. Le film est disponible seulement sur la plateforme Eventive qui protège les droits du film et il est actuellement seulement disponible pour les gens qui sont en Haïti. Donc, nous avons avec nous sur ce panel Marlène Rabot, qui est journaliste réalisatrice française, qui a vécu au Congo pendant un bon bout de temps et qui a réalisé ce film, un film qui a été primé, qui a reçu plusieurs récompenses, on va en parler un peu plus tard. Et nous avons aussi Rebecca, quand vous allez voir le film, vous allez vous rendre compte que c'est un des personnages qui apparaissent le plus dans le film. Et on va aussi parler avec Rebecca tout à l'heure de son implication, de comment elle a commencé cette aventure, cette lutte. Et Elena aussi va partager son expérience aussi de ce que nous vivons nous-mêmes en Haïti par rapport à cette lutte, par rapport à une lutte qui est la nôtre et qui ressemble aussi à celle qu'a vécu Rebecca au Congo. Donc, je commence avec Marlène. Et bonjour Marlène. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci beaucoup. Ça va, je suis enchantée d'être en connexion avec vous à Haïti. Moi, je suis à Marseille, donc aussi dans le sud de la France. Voilà. Il fait très beau. Donc, j'ai regardé le film et je vais commencer par vous féliciter et vous remercier d'avoir documenté cette lutte. Moi-même, personnellement, j'ai été touché un peu parce que nous vivons des choses ici en Haïti et c'était un peu... on a été surpris de nous reconnaître à travers ce film. Et je sais aussi que le film a été filmé, a été primé. Donc, félicitations. Donc, la première question, je vais échapper à la règle, c'est un peu de savoir comment vous avez été embarqué dans cette aventure, comment ça vous est venu, l'idée de documenter et la lutte. Eh bien, c'est venu grâce à Rebecca, que j'ai découvert sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Une photo, simple photo d'elle, qui était alors pour la première fois arrêtée et emprisonnée pour avoir demandé le départ du président Kabila, qui commençait à faire passer le message auprès de la population qu'il allait rester un peu plus longtemps que prévu, parce qu'il n'avait pas fini sa grande mission de pacifier le pays, de remettre le pays sur les rails, d'assainir les comptes, etc. Alors qu'en fait, il était en train de continuer, comme ses prédécesseurs, à vider les caisses de l'État. Donc, à ce moment-là, la Lucha, ce mouvement citoyen, est apparu, et avec des figures comme ça très marquantes, comme celle de Rebecca, qui avait à l'époque, je pense, 22 ans, et qui s'engageait avec ses amis à faire des actions de terrain dans la rue, des actions non violentes avec des bouts de papier, avec des messages très simples qui permettaient à la fois de s'adresser à la population pour l'inciter à dire aussi ce qu'elle pensait, à vaincre la peur de cette terreur aussi imposée par le régime, et qui disait, voilà, maintenant il est temps que les choses changent. D'où le nom de la Lucha, la lutte pour le changement. Mmh. Et à 10, à 15, à 20, ils ont pris le chemin des routes principales, des grands boulevards des centres-villes, et ils ont commencé à faire des actions régulièrement pour demander de l'eau, pour demander de l'électricité, mais surtout, quand j'ai commencé à les filmer, à demander le départ du président. Et c'est là qu'ils ont commencé à subir des arrestations, des tortures, de l'emprisonnement. Mmh. Donc, quand j'ai vu la photo de Rebecca sur Facebook, je me suis dit, moi qui connaissais un peu le Congo, j'avais vécu pendant 5-6 ans auparavant,
en tant que journaliste, ce que je ne suis pas de formation, mais ce que j'étais devenue au Congo d'ailleurs, parce que j'étais venue pour faire des documentaires, du cinéma, et puis finalement, l'histoire du pays m'a beaucoup intéressée et passionnée, et j'ai voulu suivre ce qui se passait. J'étais assez désillusionnée par cette guerre incessante dans l'est du Congo, sur des intérêts voilà, miniers et l'appétit des voisins pour venir piller ses ressources. Et donc, quand j'ai vu l'arrivée de la Loucha, je me suis dit que c'était une nouveauté, que c'était quelque chose d'inédit et hyper important à aller voir et à documenter, à suivre. Et puis surtout pour moi, je me disais enfin un peu d'espoir. Et j'ai vu dans le regard de Rebecca, malgré ses mains qui tenaient ses barreaux sur cette photo, alors qu'elle était détenue dans la prison de Goma, j'ai vu de l'espoir. Donc je me suis dit que j'avais certainement beaucoup de choses à apprendre en étant à leur côté. Et effectivement, j'y suis allée et j'ai... Je les ai suivis pendant 2 ans. Je ne pensais pas rester si longtemps dans ce suivi. Ce n'était pas un suivi quotidien, mais c'était un suivi tous les 2-3 mois. Je partais les retrouver, voir comment les choses avançaient, voir comment leur vie même personnelle évoluait dans cette lutte. Parce que quand on s'engage dans une lutte, on engage soi-même, mais aussi ses proches. Et donc, ça avait aussi des implications pour leur entourage. Et... Donc voilà comment les choses ont commencé. Donc, on voit dans le film justement Rebecca, mais aussi Espoir et aussi Luc. On a une pensée pour Luc. Comment ça s'est, la rencontre avec ces jeunes que vous avez suivis jusque dans l'intimité de leur foyer, vous avez justement parlé à ses proches, donc vous venez d'en parler. Comment ça s'est passé, cette rencontre? Comment vous êtes arrivé vous-même, qui n'étiez pas au Congo à cette époque, qui est de ça justement, et comment vous êtes arrivé à gagner leur confiance, on va dire. Vous étiez même dans les réunions. Oui, non, c'est vrai, c'est une question intéressante. C'est vrai qu'on n'arrive pas dans un... Il faut un peu montrer patte blanche. J'avais la chance d'avoir déjà réalisé des films au Congo auparavant, dont un film sur l'assassinat de l'ancien président du Congo, Laurent Désiré Kabila. Et j'avais mené avec un ami, j'avais co-réalisé ce film avec un ami, et on avait mené l'enquête un peu sur qui avait bien pu assassiner ce président, parce qu'en fait on a voulu faire un peu la lumière sur cette histoire, parce qu'il y avait à peu près 50 personnes qui étaient emprisonnées soi-disant dans un complot contre le président, et qui étaient accusées et qui avaient des peines de à perpétuité, à vie de prison. Et donc et parmi on a eu accès à un prisonnier politique qui a accepté de prendre une caméra et à se filmer dans la prison. Et ce prisonnier nous a partagé ses images, et donc on a pu faire ce film grâce à lui aussi, qui s'est impliqué, qui a témoigné, qui a fait témoigner aussi ses camarades en prison. Ce prisonnier, ce héros dans notre film, s'est révélé être l'oncle de Luc, qui est dans La Loucha. Et donc quand je me suis intéressée à La Loucha, quand j'ai vu Rebecca, j'ai pris contact avec ce personnage, cet ancien prisonnier, puisqu'ensuite il s'est évadé de prison, donc il s'est retrouvé en Suède, réfugié en Suède, et il m'a dit: mais moi je connais quelqu'un dans La Loucha, je peux t'aider, mais bon, c'est un neveu à moi que je connais de très loin maintenant, et très peu, mais et la chance, alors je sais pas si c'est le hasard, la chance, un film qui en amène un autre, il y a quand même eu là tout d'un coup la rencontre entre moi, mon envie et mon attirance vers La Loucha et vers ces jeunes, et puis le hasard qui a fait que j'avais fait un film précédent, juste avant, avec l'oncle d'un des leaders du mouvement. Et donc j'ai rencontré Luc un peu en ami et en famille, parce que il avait vu ce film, évidemment. Et il était très reconnaissant par rapport à ce travail qu'on avait mené pour essayer de faire la lumière sur,
sur l'histoire de son oncle et son innocence dans cet assassinat. Donc l'histoire est un peu compliquée, je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, mais le Congo est immense, le monde est vaste, mais en même temps, voilà, il y a eu des rencontres comme ça et des liens qui se sont faits un peu par chance et par... Donc, quand je suis arrivée à Goma et que j'ai voulu rencontrer les militants de la Lucha, je me suis d'abord présentée auprès de Luc, qui était, je sais que c'est un mouvement horizontal, donc il n'y a pas de leader, il n'y a pas de chef, etc. Mais quand même, il y a des personnages, des personnes qui organisent des actions, qui réfléchissent aux stratégies. Chacun a sa place un peu à différents niveaux. Chacun apporte ce qu'il a à apporter. On n'est pas tous prêts à être sur le devant de la scène ou à prendre la parole. Mais Luc était quelqu'un qui, je dis était parce que malheureusement, il nous a quittés. Mais Luc était quelqu'un qui adorait partager sa passion pour la justice sociale, qui était d'un engagement sans limite, et je pense qu'il avait à cœur de le partager, et il arrivait très bien à réunir les gens autour de lui. Et donc, naturellement, c'est lui que je suis allée voir aussi en premier pour lui parler de mon envie de faire un film, et ça a rencontré son intérêt à lui de faire un film sur son mouvement pour en parler et pour que leur combat soit médiatisé au maximum et puis aussi pour raconter leur histoire. Et je crois que les films, c'est toujours comme ça, c'est toujours une rencontre entre un réalisateur qui a envie de faire un film sur quelqu'un, sur une histoire, et puis cette personne-là qui a aussi envie d'être filmée et de parler. Donc c'est toujours des rencontres qui se font, et là ça a été le cas. À partir du moment où Luc m'a dit oui, le reste du mouvement a dit oui. J'ai pas eu ensuite à m'expliquer ou à... Bon, après c'est des histoires de rencontres, donc chacun met le temps qu'il faut pour ouvrir la porte de son petit monde, de son cœur, de sa famille, etc. Mais à partir de ce moment-là, c'était OK. Moi, je lui ai demandé à Luc tout de suite. Ma première question, ça a été à Luc, est-ce que je ne vais pas vous mettre en danger à vous filmer? Est-ce que je ne vais pas attirer sur vous les foudres du gouvernement ou de la police, etc. Et Luc m'a dit tout de suite que la visibilité, c'est ce qui les protégeait. Donc, c'était un choix très clair pour lui de dire que plus on en parle, plus on montre, plus on s'engage concrètement, plus on se met en avant et plus on se protège. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, on a plus ou moins les mêmes ou en tout cas, on va essayer de faire ça ensemble, quoi. Donc, on est parti. Et à partir de là, je crois bien que le tournage a duré genre 2 ans. Vous avez suivi le mouvement pendant deux années. J'imagine que ce n'était pas un tournage, là on va un peu parler de tournage, ce n'était pas un tournage facile. Il y a certaines scènes où on voit des affrontements, par exemple l'extrait qu'on a vu dans la bande-annonce, il y a eu des affrontements et la caméra est quand même très présente et très proche des intervenants, des protagonistes sur cette scène. Comment vous avez vécu cette expérience? Est-ce que vous êtes des fois senti pas en sécurité, témoin, mais vous êtes quand même très au milieu des affrontements? Oui, la bande-annonce, c'est un extrait donc du film qui est une scène, effectivement, je pense, la plus forte de moi, mon vécu et de ce que j'ai pu partager aussi avec eux. C'est-à-dire que de partir dans une action... entre guillemets suicidaire, mais c'est comme ça, kamikaze, comme il l'avait appelé, c'était une des actions les plus engageantes pour le mouvement à ce moment-là. Ils savaient très bien qu'ils allaient se faire arrêter. Et pour moi, c'était impossible d'être présente à ce moment-là et de ne pas y aller. Mais je peux pas mettre en avant la peur ou mon engagement ou ce que j'ai pu ressentir à ce moment-là, parce que là, ce qui compte à ce moment-là, c'est qu'on est au Congo, on est dans une situation qui est terrible, d'un pays qui est de plus en plus en faillite et des jeunes qui décident de dire stop et de dire que ça va s'arrêter, il faut que ça s'arrête et il faut le dire haut et fort. J'étais vraiment avec eux.
portée aussi par leur courage, par leur envie d'aller jusqu'au bout. Je voyais bien aussi qu'en filmant, en étant seule, je filme seule avec ma petite caméra. Je suis effectivement blanche et différente, mais quand la police intervient pour arrêter les jeunes de la Lucha à ce moment-là, ils viennent pour arrêter les jeunes de la Lucha. Et c'est bête et méchant, mais c'est des ordres. C'est un chef qui donne des ordres à un groupe de policiers qui obéit. Et je crois que le chef, à ce moment-là, était tellement aussi lui-même dérouté par ces jeunes qui restaient droits et dignes devant, face à eux, et qui ne lâchaient pas, qui Luc n'arrête pas de demander « Est-ce qu'on peut vous parler ? Est-ce qu'on peut vous parler ?» Et le policier est pris, en fait, un peu au piège, à se dire « Bon, ouais. ils ne m'écoutent pas, ils ne veulent pas rentrer chez eux, alors on va les arrêter. » Et à ce moment-là, le fait qu'il y ait une caméra entre lui et eux, c'est un peu secondaire, ou en tout cas, il se dit « Bon, première chose à faire, c'est d'abord d'arrêter ces jeunes. » Et ce n'est pas d'arrêter la petite blanche, voilà, c'est pas la priorité à ce moment-là. Et donc moi je le sens, je le vois que ça va procéder par ordre, et peut-être qu'après, quand tous les jeunes seront dans le pick-up arrêtés, ce sera mon tour. Mais donc là à ce moment-là, moi j'ai pris fuite à ce moment-là, quand j'avais la dernière image de Luc qui en plus de façon très maligne a surgi du pick-up à la fin pour lever le poing vers moi et acheter Congo je t'aime, il le fait aussi, voilà. Donc, c'est comme si on était un peu dans un film de fiction avec un scénario qu'on ne se serait pas vraiment raconté à l'avance, mais on a eu des moments comme ça où on s'est bien coordonné aussi. C'était une performance, c'est comme des performances, on ne sait pas vraiment comment, où ça va aller, mais il faut se fier à son instinct et avoir beaucoup, je pense, d'amour. Moi, j'ai, pendant ces 2 ans que j'ai passé avec eux, c'était mes amis, c'était toute mon attention, je vibrais avec la Lucha, je recevais les vidéos, certains étaient arrêtés, c'était... Je veux dire, c'est quand on est engagé dans un mouvement comme ça, c'est un engagement de tous les instants. Et c'est très beau. Merci, Emma-Hélène. Je rappelle juste à toutes les personnes qui nous suivent que vous suivez une discussion autour de Congo Lucha, qui est un film documentaire réalisé par Lène Rabot, qui est en train de nous parler du film. Mais il y a aussi Rebecca qui est là et avec qui on va parler, qui est une des protagonistes du film, et Vélina qui va aussi échanger avec elle, Vélina Charlier qui est une activiste de nos pas premiers, Rebecca qui est aussi une activiste du Congo, donc ça va faire un bel échange tout à l'heure. J'ai une autre question, et Marlène, on a senti que vous avez tenu à nous donner le point de vue des membres de la Lucha qui autour, j'ai peu vu, je ne me rappelle pas en avoir vu du tout, des interventions auprès des autorités, genre des interviews où vous avez été, est-ce que c'était voulu? C'était, disons qu'il y a eu quelques rencontres avec les autorités congolaises. Il n'y a pas eu de rencontres. Il y a eu très peu de rencontres, en fait, pendant le tournage. Il y a eu une rencontre avec le maire de la ville lors d'une action, justement, de rue où les militants de la Lucha ont l'habitude de nettoyer les rues pour montrer l'exemple et pour montrer à quel point l'État est absent et laisse les rues dans un état d'insalubrité honteuse. Et là, le maire a voulu faire un coup de com' et a commencé à lui aussi à sortir le samedi matin avec son balai, accompagner son équipe de conseillers et de jeunes qui recevaient un petit billet en contrepartie avec les t-shirts et le nom du parti présidentiel. Et donc là, il y a eu des échanges rapides entre Luc et le maire de la ville. J'ai capté des moments comme ça très... un peu volé d'un maire pris sur le vif, un peu surpris d'avoir affaire à des jeunes, à pas trop savoir qui ils sont, à pas savoir exactement s'il va être
Mais sinon, il n'y a pas eu de rencontre. Je veux dire, Kabila, l'ancien président, avait invité les militants de la Lucha à une rencontre. Mais il avait interdit les journalistes. Donc, il n'y a eu aucune image n'est sortie. Ce n'était pas dans l'intérêt des autorités de montrer qu'ils accordaient de l'importance à ces jeunes qui les confrontaient et qui les... et qui leur demandait des comptes. Donc, moi, je n'avais pas envie d'aller frapper à leur porte pour leur accorder un droit de réponse. J'avais vraiment envie d'être avec les militants et qu'on les comprenne. Et dans un film d'une heure, c'est assez court au final pour bien comprendre la situation et pour bien comprendre, pour rentrer dans l'intimité de chacun. Il ne s'agissait pas de faire un reportage équilibré avec la position de chacun. D'accord. Et là, on va se tourner un peu vers Rebecca Kabogo, qui est la jeune activiste congolaise qui est, je pourrais dire, à l'origine du film, même, parce que c'est une photo d'elle en prison, qui vous amène, Marlène, à revenir au Congo pour suivre le mouvement et réaliser ce film que je recommande à nouveau. Avant de recevoir Rebecca, je rappelle à toutes les personnes qui nous suivent qu'ils peuvent poser des questions. N'hésitez pas à écrire la question en commentaire. Là, vous êtes en train de suivre cette discussion. Et il y a Maud Malingré, qui est responsable du programme Média, à tout cas, et à qui l'on doit la programmation des Mardi Doc. Elle va recueillir les questions et elles vont arriver aux intervenants. Donc, vous pouvez écrire vos questions en dessous en commentaire, en dessous de la vidéo. Et puis, la question va arriver en direct à l'intervenante à laquelle vous la posez, mais c'est une question générale. On va la poser et elle aura réponse. Donc, bonjour Rebecca, qui est, je crois, au Congo. Au Congo, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Bonjour, c'est un honneur de vous recevoir à cette discussion. Merci pour l'invitation. Donc, Rebecca, j'imagine que depuis ce film, les invitations sont nombreuses, donc merci encore. Les objectifs de la Lucha, tels qu'on les a vus dans le film, ils étaient clairs à cette époque. C'était des élections, et on voulait des élections qui amèneraient au remplacement du président Joseph Kabila. Donc, je crois que les élections ont eu lieu et la Lucha continue. Et comment se porte la Lucha maintenant? Pour le moment? Qu'est-ce qui a changé? Oui. Qu'est-ce qui a changé? Comment se porte la Lucha, le mouvement? Ah bon, merci d'abord pour l'invitation et pour avoir pensé à nous et à notre élite. La Lucha se porte mieux, je peux dire comme ça, parce que on a réussi à installer le mouvement presque partout. En RDC, en République démocratique du Congo. On est maintenant dans plus de 25 villes de la RDC. La Lucha est installée là-bas et j'espère que c'est une bonne évolution par rapport au mouvement parce que la population continue à prendre conscience et à s'intégrer dans notre élite non violente de chaque jour. Donc, nos actions, nos petites actions inspirent les gens quelque part et les gens et la population commencent à nous suivre de partout en République démocratique du Congo. On se porte un peu mieux sur ces plans, mais il y a aussi plusieurs défis par rapport à l'extension du mouvement. Il y a certains chefs de certaines entités de la République qui bloquent quand il y a des mouvements comme ça qui commencent et quand la lutte commence. Dans un millier, il y a toujours les jeunes qui sont arrêtés, il y a toujours les jeunes qui sont poursuivis individuellement, il y a des arrestations, comme je l'ai dit, et ça bloque un peu l'engagement où les gens n'ont pas envie. Il y a certaines personnes qui ont peur de s'engager parce qu'ils pensent qu'être dans la lucha, c'est être toujours arrêté. Il y a pas cette harmonie entre toi et ta famille parce qu'on pense qu'être militant, c'est être arrêté, être torturé. Et c'est cette peur que le gouvernement
fait passer au premier pas, au premier plan devant la population. Il y a certaines personnes qui hésitent d'intégrer la lucha, mais malgré ça, il y a d'autres personnes qui sont indignées comme moi, qui intègrent toujours le mouvement. Ok, je vais du coup aussi introduire Vélina Charlier. Vélina, vous êtes là? Oui, je suis là. Bonjour tout le monde. Okay. Bonjour Carl, Rebecca, Marlène et toutes les personnes qui nous écoutent. Donc, Vélina, vous-même, vous faites partie du mouvement Nous Pas Dormi. Vous avez vu le film et j'imagine que vous avez retenu beaucoup de similitudes comme moi, j'en ai retenu quelques, entre la lucha et le mouvement Petro Caribe Challenge duquel fait partie le Nous Pas Dormi. Non? Oui, effectivement. En fait, d'abord, je voudrais remercier Marlène d'avoir raconté cette histoire-là et saluer le courage de Rebecca et de tous ses camarades de la Lucha. J'ai une pensée spéciale aussi pour Luc. C'est un film très bouleversant, c'est un film très bouleversant qui raconte très loin de nous, mais qui raconte aussi notre histoire. Notre histoire de militants anticorruption en Haïti, c'est un film où nous pourrions remplacer beaucoup des activistes congolais par nous, activistes haïtiens. Et tellement que les histoires sont proches. Nous militons au sein de Nous Pas Dormi et dans beaucoup d'autres groupes en Haïti aussi contre l'impunité, contre la corruption, pour la justice sociale. Les histoires sont pareilles. Et étrangement, je regarde ce film-là et en Haïti aujourd'hui, nous avons un président dont le mandat s'est terminé le 7 février 2021. Donc, ça fait 2 mois qu'il garde le pouvoir de manière illégale, qu'il est en rébellion contre la Constitution. Donc, ça a été voir un film où vraiment, on aurait dit que c'est l'histoire de ce qu'Haïti vit aujourd'hui qu'on est en train de voir et entendre les militants parler, entendre Rebecca, Espoir, Luc et tous les autres parler, voir les actions que vous menez, le courage avec lequel vous menez ces actions, ça nous rappelle énormément les luttes que nous avons menées pour avoir la reddition de comptes sur les fonds Petro-Caribe et obtenir de la Cour supérieure des comptes les différents rapports et malgré ça qu'au Parlement ces rapports finissent dans des tiroirs parce que les sénateurs et les députés n'ont fait aucun suivi avec la justice pour que justice soit faite et qu'on ait un pouvoir avec une forte volonté clairement dictatoriale, un pouvoir qui annonce aujourd'hui qu'ils vont faire un référendum pour changer la Constitution, ou dans l'avant-projet de Constitution qu'ils présentent, il y a énormément d'articles qui protègent les corrompus. Donc c'est une histoire et celle de la lucha, la lutte que vous menez contre la corruption, la lutte que vous menez pour changer votre pays. C'est une lutte qui est tellement similaire à la nôtre que moi, c'est un film qui m'a énormément bouleversée. Et j'écoutais Marlène parler tout à l'heure. Bon, une chance que la vidéo était off parce que j'en avais encore les larmes aux yeux. Et en fait, j'ai regardé le film 3 fois. Je l'ai vu une première fois et puis j'ai été dire à ma mère, tu dois voir ça. Donc, je l'ai regardé avec ma maman et je l'ai regardé à nouveau ce matin. Et à chaque fois, j'ai la même rage au cœur et j'ai le même sentiment d'être très bouleversée de voir comment des gens peuvent hypothéquer nos vies, hypothéquer notre avenir et celle de nos enfants et nous rendre, nous enlever le sentiment d'être le bienvenu chez nous. C'est du moins ce que nous, on vit en Haïti, le sentiment que nous ne sommes plus bienvenus dans notre propre pays. Et c'est ce pourquoi on lutte, parce que nous avons le droit de vivre et nous avons le droit de vivre chez nous. Donc j'ai senti ce lien entre la lutte que mène la Lucha et celle que nous, à Nous Pas Dormi et tous les autres groupes qui militent pour la justice sociale, contre la corruption, contre l'impunité, pour les droits humains en Haïti. Les mêmes répressions auxquelles vous faites face, cette même facilité de la police de dire on va les arrêter, embarquer-les tous, cette même facilité de frapper, de brutaliser les gens et cette terreur
institutionnalisée que le gouvernement installe, dont Rebecca vient de parler encore, hein, cette terreur qui s'installe pour empêcher les gens de s'engager et de lutter pour le changement. Ce sont les mêmes histoires que nous vivons ici en Haïti, qui est un petit point de pays comparé à la République démocratique du Congo, mais où les histoires sont tellement similaires, j'en suis encore très, très bouleversée. Dans les deux cas, on a un mouvement qui est porté par des jeunes et des jeunes que l'on tague d'intellectuels, mais des mouvements sans leader clé. Rebecca et Evelina, pourquoi pas de leader dans ce mouvement? Pourquoi c'est stratégique selon vous? Bon, je peux commencer. Ouais. Bon, je pense que on nous a enseigné depuis que nous sommes des gosses, des petits, que les chefs ne font pas des erreurs. Ça, c'est un. On nous inculque que le papa ou la maman, elle ne peut pas faire des erreurs. Et dans nos organisations, dans les ONG locales et internationales, on pense que quand on est chef, vous pouvez décider. Nous voyons ce qui se passe dans nos partis politiques ici, par exemple en RDC. Vous avez une autorité morale dans votre parti politique. Quand il décide, c'est tout le monde qui va suivre ses pensées. Et pourtant, ce n'est pas ça. On a cette liberté aussi de donner son point de vue. Mais quand on est dans un mouvement qui est parallèle, il y a la chance, on donne la chance à chaque personne de s'exprimer, de donner ses besoins, s'exprimer ce qu'il a besoin vraiment. Par exemple, il y a une action, je prends l'exemple d'une situation qui se passe aujourd'hui au Nord Kivu, le cas des massacres. On s'est dit, dans la région de Beni, il y a la population qui est massacrée tous les jours. Et on va faire quoi? On fait quoi en tant que des humains, en tant que les jeunes ou la population du Nord Kivu, des Goma ou des Beni? On s'est dit, on va faire une manifestation, on va organiser des manifestations, on va faire des plaidoyers. Si c'était, on avait un chef peut-être, ou une chef-tête par exemple, ou une coordonnatrice, ou un directeur du mouvement, peut-être il peut être... il peut avoir ses pensées à lui et nous dire non, moi je pense qu'on peut faire ça parce qu'il est le chef. On va se dire non, c'est lui le chef, donc il est chef. On s'est dit, on nous a enseigné que le chef ne fait pas des erreurs. Le chef, on ne peut pas aller à la contre de ce qu'il pense et ça peut créer des divisions où le mouvement ne peut pas évoluer. C'était ça notre pensée. Est-ce qu'on ne peut pas mettre nos égaux ou le fait d'être, même si tu es chef chez toi ou dans ton bureau, tu es chef, mais quand tu es dans la lucha, tu es comme tout le monde. Parce que si tu es chef, j'aurais peut-être celui qui vient aujourd'hui dans le mouvement, il n'aura pas... il va avoir peur de me rapprocher, attaquer chef-taine ou attaquer directrice du mouvement. Et du coup, il faut essayer de mettre les gens au même niveau pour bien avoir... que les gens s'expriment par leur liberté. Parce que s'il y a un chef qui parle, donc ce que moi je vais parler, ça ne va pas compter. Mais si tu sais d'avance qu'il n'y a pas un chef dans votre mouvement, tu es libre. Ce n'est pas la libertinage dans le mouvement, mais il y a cette coordination de conscience. On s'est dit, j'ai mon point de vue, je peux donner aussi mon point de vue, attaquer Congolais, attaquer Congolaise. J'ai le droit de donner mon opinion sur telle ou telle question qui se passe dans mon pays. La chose qu'on ne voit pas dans nos ONG ou les organisations ou dans le gouvernement, si le chef a parlé, donc il a parlé. Voilà. C'est un peu ça pour se sentir un peu libre. On prend la liberté, on a besoin d'avoir cette liberté d'expression par nos autorités. Et nous aussi, dans nos mouvements, on peut avoir ça. Ça doit commencer là-bas, ça doit commencer dans nos ménages, ça doit commencer là où nous sommes, pour exprimer cette liberté que nous voulons avoir. Merci. Bélina, je ne sais pas si tu
veux ajouter quelque chose? En fait, je vais ajouter rapidement, Rebecca l'a bien dit, ce sont des luttes de citoyens, des luttes de peuple. Ma parole de citoyen n'est pas plus importante que la parole de notre citoyen. C'est toutes les revendications de tous les citoyens qui ont la même force, qui ont la même portée. Et plus cette voix-là, elle est amplifiée avec toutes nos douleurs collectives, toutes nos frustrations collectives et notre besoin de changement collectif, plus elle est forte et plus elle va plus loin. Donc, quand tous les citoyens sont sur le même pied d'égalité et peuvent exprimer cette frustration-là d'une voix commune, la parole, elle est beaucoup plus forte. Et il y a aussi ce besoin pour nous, okay, du moins en Haïti, qui sommes de la génération post-dictature, une dictature qui est quand même assez proche, donc une mémoire de la peur qui est quand même très vivante en Haïti. Il y a ce besoin d'apprendre à s'exprimer, d'apprendre à se mêler de la politique, d'apprendre à faire de la politique et d'apprendre à oser être candidat, oser aller aux élections, aller voter. Donc tout cet apprentissage-là de pouvoir s'affirmer passe aussi à travers des mouvements qui n'ont pas de leader. Parce que c'est un mouvement qui permet à chaque citoyen de s'épanouir, de grandir et de pouvoir s'affirmer et de rencontrer d'autres personnes, de ne pas être enfermé. Et c'est ce qui va nous amener vers ce changement que nous cherchons, parce que ce changement-là, c'est un changement que les jeunes et les citoyens doivent porter. Et une des manières de le porter, c'est de pouvoir se sentir libre dans sa parole, dans ses revendications, et de pouvoir les exprimer avec respect envers les uns les autres, et de pouvoir se dire, je peux compter sur tous mes camarades qui sont dans la foule avec moi pour amplifier ma voix, parce que nos revendications communes vont beaucoup plus loin. Merci, Vélina. Je rappelle au public qu'il peut poser des questions, écrivez les questions en commentaire. Et nous-mêmes, nous allons les recueillir et les poser aux intervenantes. Non seulement Rebecca et Vélina, mais aussi Marlène qui est avec nous. Autre point commun, les deux mouvements s'expriment par des manifestations. Et face à ces manifestations, il y a une répression souvent violente. Mais toujours, les mouvements se revendiquent et restent non violents. C'est une réaction que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. J'ai vu dans le film aussi qu'on a questionné ça. Mais pourquoi cette volonté de toujours rester non-violent? De ne pas recourir à la violence par rapport à cette répression que vous subissez? Recourir à la violence, on sait bien le méfait de la violence. J'ai grandi dans la guerre, je suis née dans la guerre. Je sais les méfaits de la violence, en fait. Et en intégrant la lucha ou la lutte non violente, ce n'est pas être faible, parce que les gens pensent quand on intègre un mouvement non violent ou la lutte non violente, c'est parce qu'on est faible, on a peur peut-être de prendre les armes. Mais je pense que c'est une liberté, on se sent libre de la non-violence. La violence, c'est créer la violence. La violence crée toujours la violence. Ça devient un cycle de la violence et ça continue de génération en génération. Et ça ne paye pas, en fait, parce que si j'ai usé de la violence sur ma voisine, demain, ça sera les enfants qui vont continuer cette même violence. Mais si j'utilise la non-violence, c'est une interpellation pour moi-même. Je me sens à l'aise, je me sens libre, mais mon entourage aussi va peut-être intégrer ma pensée de la non-violence. Par exemple, j'ai dit, il y a querelle entre toi et ton voisin, si tu utilises la violence, ça sera un cycle de la violence. Mais si tu fais la non-violence, si tu te sens libre et tu enseignes quelqu'un d'autre à faire la non-violence. Nous avons grandi dans une région où on utilise pour revendiquer ce sont les armes. Vous avez une question à résoudre, donc je prends des armes. Par exemple, la situation qui se passe aujourd'hui à Goma, là où je vis, dans la ville là où je suis, il y a une guerre entre des ethnies, des tribus. Et c'est une confusion, les gens sont en train de dire de la violence et pourtant nous sommes en train d'enseigner la non-violence. Et les enfants que nous sommes en train de laisser voir ces genres de violence, nous créons quoi dans des personnes ou dans des psychologies de nos enfants?
si nous continuons à faire la violence. En fait, pour moi, la non-violence est une arme qui libère, comme nous dit Gandhi, comme nous dit Martin Luther King, la violence, si vous utilisez la non-violence, vous êtes fort, vous êtes forte et vous avez des résultats qui ont une longue durée par rapport à la violence. Voilà. C'est une liberté. Par exemple, on nous a arrêtés, on a utilisé la non-violence, mais quand tu es en prison, tu te sens libre parce que tu n'as pas détruit, tu n'as pas jeté des pierres à personne, tu n'as pas blessé quelqu'un, tu te sens libre même devant le juge, devant le tribunal, tu es à l'aise parce que tu n'as pas usé la violence, tu as ta conscience qui est claire et nette quand tu es devant tout le monde, même à la maison, tu es fier de parler avec d'autres personnes, de ta lutte parce que tu n'es pas violent. Bélina? En fait, pour nous en Haïti, et on le comprend très bien, et même en lisant, en observant ce qui se passe ailleurs, Haïti n'est peut-être pas un pays en guerre, mais c'est un pays qui vit une situation qui est très similaire à la guerre. La violence a un prix. La violence a un prix et très, très lourd à porter pour un peuple. La violence a un coût très lourd à porter pour un peuple que nous refusons de porter. Il est important pour nous de mener des luttes pacifiques d'abord et avant tout parce que nous sommes des humains. Et si nous sommes des humains et que nous avons des sentiments humains, nous devons pouvoir revendiquer et projeter nos voix et dire ce avec quoi nous ne sommes plus d'accord, lutter sans avoir besoin d'avoir recours à la violence parce que la violence est un cycle et un cercle vicieux dans lequel on s'enferme et ça ne s'arrête jamais. Une action violente en amène une autre et ainsi de suite et ça ne s'arrête jamais. Une action pacifique pousse l'autre à devenir pacifique aussi et à essayer de trouver des terrains d'entente et à essayer de trouver des terrains où on peut se parler. Il est vrai que, et fort souvent, il est très difficile de rester calme face à la répression, de rester calme quand on vous tire dessus à balles réelles, quand vous vous faites gazer, mais c'est une victoire de tous les jours quand on arrive à garder ce calme-là parce que le prix de la violence est beaucoup plus cher. Nous avons vécu en Haïti, nos parents ont vécu sous une dictature extrêmement violente, une dictature extrêmement répressive où beaucoup d'enfants du pays ont été assassinés, tués, torturés et nous savons trop ce que ça coûte pour retomber dans ce cycle de violence-là. Donc faire le choix de mener une lutte pacifique, même quand le gouvernement, les autorités font tout pour vous pousser à bout et vous faire abandonner votre lutte pacifique. Renouveler chaque jour ce vœu d'être pacifiste et de mener une lutte non violente est beaucoup trop importante par rapport à ce que nous voulons aussi laisser à nos enfants. Si nous voulons qu'Haïti un jour soit une option pour nos enfants, Haïti ne doit pas être un pays qui glisse dans la guerre civile. Haïti ne doit pas être un pays qui glisse de plus en plus, comme c'est le cas aujourd'hui, dans une terreur par les gangs armés, dans une terreur par les bandits, dans des kidnappings, etc. Et ce sont des choix de non-violence qui nous permettront de contrecarrer justement la violence des gangs, la violence commanditée par le gouvernement, la violence de la police, etc. Donc, nous avons beaucoup plus à perdre dans des luttes violentes que dans des luttes non-violentes. Donc, le choix de non-violence d'abord et avant tout parce que nous sommes des humains. Et en tant qu'humains, nous avons le devoir et la responsabilité de réfléchir avec notre cerveau et avec notre cœur et d'agir de manière non violente. Mais aussi parce que nous voulons laisser un pays à nos enfants. Et l'une des meilleurs moyens de laisser un pays à nos enfants, c'est de mener des formes de lutte non violente parce que les résultats obtenus dans les luttes à travers l'histoire, on peut les lire. Les résultats obtenus à travers les luttes non violentes durent plus longtemps sur le temps. Et nous sommes en 2021. Nous pouvons mener des luttes et gagner les luttes de manière non violente. Et comme j'aime tout le temps le dire, je pense fondamentalement que le moment est venu pour nous en Haïti de vivre pour Haïti. Nos ancêtres sont morts pour Haïti pour nous léguer ce pays. Parce qu'ils étaient des captifs, ils étaient des esclaves, ils n'avaient pas d'autre choix que de mener une lutte violente pour nous donner ce pays. Aujourd'hui, le moment est venu pour nous de faire le choix conscient de vivre pour ce pays. Et vivre pour ce pays nous demande d'être pacifistes.
Merci, Zelina. Et une autre promo que j'ai faite sur le film, c'est un peu ce rôle que Rebecca Kabogo avait d'inspirer des femmes, particulièrement dans la lucha. Je me rappelle une scène où il y a une nouvelle recrue. Elle explique qu'elle a été intéressée à rejoindre le mouvement après avoir vu Rebecca. En voyant la motivation de Rebecca. Donc, est-ce que je sais qu'ici aussi, le mouvement Nous Pape Domi est beaucoup porté par des femmes, des personnalités féminines, et je les salue en passant. Est-ce que vous êtes consciente de ce rôle? Est-ce que ça est important pour vous, en plus d'être dans une lutte aussi, mais de porter la voix des femmes? Bélina? Oui, en fait, Nous Pape Domi est effectivement porté par des femmes. Nous Pape Domi est un mouvement où les voix fortes, les voix porteurs de Nous Pape Domi sont des voix de femmes. Je pense que nous sommes, quoi, cinq femmes à l'avant de la scène dans Nous Pape Domi. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont à l'avant de la scène. Mais c'est vrai qu'une des particularités du mouvement Nous Pape Domi est la force des voix des femmes et des voix des femmes féministes, des voix de femmes féministes qui s'affirment en tant que féministes aussi. Et oui, c'est important de porter la voix des femmes, surtout pour nous en Haïti. C'est important de porter la voix des femmes parce qu'en Haïti, historiquement, les femmes ont toujours eu leur rôle à jouer. Même quand nous étions petits, que nous étudions l'histoire d'Haïti, les Marie-Jeanne et les Sanit Belair ont été des personnalités de l'histoire d'Haïti que nous avons admirées. Donc, les femmes ont toujours eu un bon rôle et un rôle sur un pied d'égalité dans les luttes avec les hommes. Mais encore en plus pour adresser la société de patriarcat dans laquelle on vit, où trop souvent on a envie d'enterrer, d'étouffer la voix des femmes. On vit de fait dans un pays où il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, il est important que les femmes prennent leur rôle. C'est les femmes qui sont le moteur de l'économie, c'est les femmes qui sont le moteur de la société. Donc, pour que nous puissions projeter nos voix, que nous puissions être des personnalités fortes et porter cette lutte contre l'impunité, contre la corruption, pour la justice sociale, nous affirmer en tant que femmes, donner le bon exemple aux filles qui vont s'inspirer de nous et prendre leur place, réaliser qu'elles ont du pouvoir et qu'elles ont le droit de prendre leur pouvoir, qu'elles ont des pensées, qu'elles sont intelligentes, qu'elles sont capables de se mêler de politique, de devenir des candidats, de devenir présidente de la République, de jouer n'importe quel rôle qu'elles voudraient le jouer, c'est archi important pour nous. Donc, et amplifier cette voix de femme, je pense, est tout naturel et ça n'aurait pas pu en être autrement. Il aurait été très difficile pour moi de faire partie d'un mouvement et de ne pas utiliser ma voix de femme pour porter ce mouvement-là et surtout inspirer les filles qui me regardent. Bon, je suis mère de 3 filles. Donc, j'inspire mes filles d'abord et j'inspire toutes les autres filles d'Haïti. Je l'espère pour ce que je fais. Et j'espère qu'en les inspirant, elles pourront faire d'encore de plus grandes choses que moi je fais et qu'elles pourront se permettre de rêver d'un pays où elles vivent dignement et où elles peuvent atteindre et vivre tous leurs rêves. Donc, dans cette lutte-là, oui, nos voix de femmes sont très, très importantes, mais nos voix de femmes sont surtout des voix chargées de responsabilité. Parce qu'en tant que femme, quand on mène des luttes, on nous demande encore plus et on est encore plus exigeant avec nous. Nous sommes déjà exigeants avec nous-mêmes, mais la société est encore plus exigeante avec nous. Donc, continuer le même combat contre le patriarcat, le même combat pour affirmer et obtenir et vivre pleinement les droits des femmes à travers notre lutte, je pense que ce n'est que naturel. Ça n'aurait pas pu en être autrement. Marlène? Est-ce que c'est quelque chose à quoi tu penses, Marlène, à quoi vous pensez quand vous êtes au sein de cette lutte, Marlène? Oui, non, c'est vrai qu'effectivement, pareil au Congo, c'est une société qui repose essentiellement sur la force des femmes pour porter l'économie, pour nourrir les familles, les enfants. On est dans il y a vraiment beaucoup de similitudes avec Haïti, mais ça, je le sais depuis longtemps, hein, je ne suis jamais allée, mais je sens bien que ce sont des cultures très proches aussi. Et donc, oui,
les femmes ont un grand rôle à jouer. Je pense qu'aussi Rebecca est là pour le rappeler et pour le montrer. Elle a toujours étonné par son courage à être toujours en première ligne dans les actions sur le terrain. Et je crois que c'est aussi parce qu'elle est vraiment aussi très inspirante pour toutes les jeunes filles qui, effectivement, au Congo, sont amenées à se marier très tôt, à ne pas faire... Bon, maintenant, les filles ont de plus en plus accès à l'université, mais rapidement, on leur rappelle quand même qu'il faut se marier et puis qu'il faut faire des enfants. Et donc, à 25 ans, c'est un peu difficile ensuite de faire sa place dans la société, d'assumer toutes ses responsabilités de la famille, du mari et du travail et de notre engagement et de cette place à prendre. Et pourtant, ce sont des voies qui sont effectivement essentielles parce que ça fait des décennies et des siècles et qu'elles portent sur la tête, dans leur corps, toute la difficulté de la survie au quotidien. Et ça, c'est important vraiment que ces femmes soient sur le devant de la scène parce que c'est rappeler que tout ça peut bouger, que les sociétés sont nous, ici, en France, on est dans tout cette révolution aussi des mentalités sur la question du genre, sur la question des violences sexuelles. Et sur cette société aussi du patriarcat, hein, où on a aussi beaucoup d'hommes qui sont... au poste de responsabilité et où les femmes ont du mal aussi à se dire c'est possible, on peut le faire. Il y a tellement de freins, de barrières qui se mettent sur nos routes que je pense qu'on a c'est une question, c'est un défi universel pour les femmes de prendre leur place aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment ce combat-là qu'on doit aussi mener nous toutes. On voit bien qu'on est aussi présente, on est quand même là, et même si c'est difficile parce que c'est pas toujours facile, Vélina disait voilà, elle est mère de trois filles, j'imagine que ça doit pas être évident d'assumer cette responsabilité là aussi. C'est un risque à prendre, c'est un engagement vraiment risqué de faire porter cette voix contre des régimes qui essayent d'étouffer la population, le peuple. Donc, Luc, dans la Lucha, on a payé le prix fort, même si je m'avance aussi parce que rien ne... Il y avait eu d'enquêtes sérieuses pour prouver qu'il avait été ciblé par les autorités. Mais je pense qu'on prend le risque en vaut la chandelle, vraiment. Je pense qu'il faut... Luc avait ses messages très, très forts et je pense que c'est difficile à entendre aussi et à accepter comme ça, mais de dire que... Il était prêt à aller jusqu'au bout, jusqu'à sacrifier aussi sa vie pour la lutte, parce que si, de toute façon, la vie telle qu'elle est aujourd'hui au Congo, elle n'est pas suffisamment digne pour être vécue comme ça, pour être acceptée dans ces conditions. Donc, la lutte était vraiment une priorité. Mais bon, donc voilà, je pense que... Et Luc aussi, je voulais rappeler, parce qu'on n'a pas... C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de Luc, mais je sais qu'il avait... pour lui, c'était aussi pour sa sœur. Cette lutte, c'était pour sa famille. C'était pour toutes ces femmes aussi qui peuvent pas prendre... qui peuvent pas forcément toujours facilement s'engager, qui n'ont pas forcément l'éducation, qui n'ont pas forcément... le contact avec des militants, etc. Mais c'est vrai qu'on a vu quand même que les femmes peuvent très bien se réunir aussi et réclamer et imposer leur place et réclamer leurs droits. Ouais. Je vais revenir vers vous, Marlène, sur l'accueil, la réception du film au Congo même. C'est une question que je voulais vous poser. Mais avant, je voudrais recueillir les commentaires de Rebecca sur ce rôle de femme qui inspire, qu'elle a, ce qu'on a vu dans le film. Bien sûr,
on inspire. Est-ce que vous assumez? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous? Oui, bien sûr, on fait la lutte, mais on ne sait pas si on est en train d'inspirer d'autres filles. Mais j'espère, je sais que c'est vrai qu'on est en train d'inspirer d'autres femmes à intégrer la lutte. Je me rappelle récemment, j'étais dans une région du Nord Kivu, à Beni, et il y avait des filles qui sont venues là où j'étais logée. On a besoin de vous écouter, on a besoin de nous expliquer. De nous expliquer comment tu as fait, quelle est ta motivation, quelle a été ta motivation d'intégrer la Ligue, comment tu fais, comment tu milites, comment tes parents acceptent que tu t'élèves et tu partes dans la lutte comme ça. Et on a essayé j'ai essayé d'en parler. Je disais donc là, il y a d'autres femmes qui ont envie d'intégrer la lutte, mais il y a des questions, je peux dire coutumières peut-être, qui empêchent certaines femmes d'intégrer la lutte. Par exemple, on nous dit que en terminant tes études secondaires, tu dois te marier avant d'intégrer l'université, ou carrément tu ne fais pas l'université parce que tu es une femme, tu dois rester à la maison, tu dois te marier, tu dois avoir ton mari, tu dois t'occuper de ta famille. Et souvent ça nous bloque, et du coup quand tu es petite, on t'enseigne ça, on te parle de ça tout le temps. Psychologiquement tu es affectée, ça peut t'affecter en arrivant à un certain âge. Toi, tu commences à penser à ça. Bon, je peux me marier peut-être, j'ai besoin d'avoir un mari. Et pourtant, ce n'est pas ça ta motivation, ce n'est pas ça toi en fait. Te marier, c'est une bonne chose, avoir une famille, c'est une bonne chose. Est-ce que c'est ça ce que tu veux aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas te priver de ta vie, de ta liberté? Peut-être tu auras besoin de ça dans 5 ans, dans 10 ans. Pas aujourd'hui, dans 18 ans, tu es encore... tu n'es pas encore mûre. Moi, je dis qu'une femme de 18 ans, c'est l'imposer, c'est la famille qui impose les gens à se marier. Il y a même des familles qui amènent des maris pour des filles. C'est pas ça, on doit lutter contre ça. Et du coup, pour moi, je me dis que on doit continuer cette lutte et inspirer encore d'autres femmes à s'engager, parce qu'on est des moteurs du développement de nos pays. Et nous devons nous engager parce que le futur dépend de nous aujourd'hui. Le présent, ce que nous vivons aujourd'hui, c'était à cause de nos parents, de nos générations passées. Mais le futur va dépendre de nous. Si nous voulons vivre une vie meilleure dans le futur, ça va dépendre de notre engagement d'aujourd'hui. Et nous sommes obligés, nous, peut-être, je sais déjà c'est quoi la vie de la lutte. J'ai cette obligation d'aller former d'autres femmes à s'engager, même si ce n'est pas du coup réceptif dans chaque milieu, mais j'essaye de le faire. Et le fait de nous inviter, d'en parler aussi, ça peut inspirer une femme peut-être dans le monde qui peut aussi s'engager dans la lutte. Ma prochaine question avait déjà été lancée. Je rappelle au public qu'il peut poser des questions en commentaire et que nous allons partager avec l'intervenante. Donc, mais cette question s'adresse aussi à vous, Rebecca. Après la sortie du film, comment ça a été le retour du film quand vous l'avez vu? J'imagine que c'est un film qui a été diffusé au Congo aussi. Comment ça a été le retour? Et aussi la question, bien sûr, s'adresse à Marlène. Quelle a été la réception du film au Congo? Même je sais que le film a reçu des prix, notamment le prix Albert Londres en France, mais je crois qu'il y a reçu deux autres prix en France. Mais est-ce que vous avez une idée de l'accueil même du film au Congo? Au Congo, c'est difficile d'évaluer parce qu'il n'y a pas eu de diffusion sur les télés locales. Okay. C'est difficile de faire circuler le film comme ça. Mais par contre, c'est tout de suite... le film est entre les mains de la Lucha, qui est libre de le projeter à chaque occasion qu'il trouve...
Et auprès des jeunes, quand ils font des réunions au sein de la Lucha ou de la sensibilisation auprès des jeunes, donc ça fonctionne comme ça beaucoup, des liens Vimeo qui s'échangent et ça se regarde comme ça. Je pense que là, j'essaye de voir un peu comment organiser une tournée du film. Dans les universités, par exemple, mais il n'y a pas eu de grandes sorties au Congo. Je pense que de toute façon, c'est plus maintenant, ça passe plus par des liens Vimeo, sur YouTube, et je pense qu'on va plutôt faire comme ça pour le diffuser au Congo. D'accord. Donc bon, du coup, Rebecca ne peut pas bien parler de la réception du film. Donc, je rappelle qu'on a un panel. Je me rappelle que c'est un panel autour de moi qui est composé de femmes, et c'est très bien comme ça. On parle de Congo Lucha, qui est un film de la réalisatrice Marlène Rabault, réalisatrice française, qui a suivi et qui raconte la Lucha. C'est un mouvement de protestation qui a eu lieu au Congo, et on a aussi une des protagonistes du film qui est avec nous, c'est Rebecca Kabuko, et on a l'honneur de la recevoir, et pour l'échange, on a avec nous aussi Vélina Charlier qui a discuté aussi de, notamment des similitudes, parce qu'il y a beaucoup, de points communs entre ces deux mouvements, la Lucha au Congo et les Petro-Caribe Challenge ici en Haïti. Nathalie représente nos partenaires dans cette discussion. Je crois qu'on va passer aux questions maintenant. Et c'est Maud Malengré qui est responsable des programmes et qui est responsable du programme, média focal. Elle est responsable de la programmation des mois d'hiver notamment, et c'est elle qui va poser les questions. Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Donc voilà, on a plusieurs questions qui nous viennent des réseaux sociaux. On a une première question de Edmond Séraphin qui nous suit sur la retransmission qu'on fait sur le Facebook de Focal. Il demande quid des tentatives de récupération de ces mouvements de revendication par l'opposition politique au Congo. Il y a aussi une question de Wilson Tiersin qui nous suit sur la page de Chocarella, qui demande pourquoi les activités de production artistique et ou culturelle autour des luttes de transformation sociale sont souvent plus acceptables par l'opinion publique que la lutte elle-même. Ce sur quoi moi j'ajouterais une question, c'est de savoir en quoi est-ce que le film Congo Lucha, ou les productions artistiques réalisées, d'autres, ou les performances aussi que vous utilisez peut-être dans la mobilisation, aident à avoir un impact. Une autre question, je voulais savoir, alors là ça s'adresse principalement à Rebecca et à Vélina, dans des pays où la population est extrêmement fragilisée par des crises qui ne cessent pas de revenir, qui laisse souvent peu de place, ne fût-ce qu'au travail de deuil et de récupération. Qu'est-ce que ce contexte-là amène comme difficulté pour mobiliser les citoyens? Parce qu'on voit dans le film, et j'imagine que nos papes donnés, c'est ça aussi, c'est essayer de voir par rapport aux gens qui sont intéressés à tenter de s'engager dans le fait de changer le pays. C'est voilà, qu'est-ce qu'on leur dit, mais comment est-ce que vous voyez que cette crise en fait pèse sur la capacité aussi de mobilisation des gens, que ce soit par rapport à la peur ou bien que ce soit aussi par rapport à du coup à une fragilité qui fait qu'on se resserre sur ce qu'on a l'impression de pouvoir gérer au jour le jour. La question est lancée à Vélina ou à Rebecca. Et évidemment pour le film à Marlène. Je ne sais pas si vous m'avez bien entendu. Oui, et j'ai bien entendu. En fait, je vais répondre sur une partie de la question. Il y a une question d'un internaute qui était très précise sur le Congo, donc Rebecca répondra. En fait, quand on s'engage dans une lutte, on s'engage pour ses convictions, on s'engage pour le changement et on s'engage pour la vie.
et lutter pour le changement, lutter dans nos pays où les gouvernements sont corrompus, les gouvernements fort souvent commanditent des massacres, les gouvernements sont impunis, l'appareil de justice ne fonctionne pas ou est carrément inexistant, où il y a énormément d'abus et de répression. S'engager dans des luttes contre ça et lutter pour les droits humains, ce genre de choses, ce sont des luttes dans lesquelles on s'engage à vie. Et quand on s'engage dans ces luttes-là à vie, on est très conscient de tout ce qu'on risque et de tout ce qu'on met et sur la table dans le fait de s'engager dans la lutte. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, effectivement, fort souvent, quand les gens ne peuvent pas vous corrompre parce que vous luttez et ils essaient de vous corrompre, de vous offrir de l'argent, de vous offrir un poste, etc., quand ils n'arrivent pas à vous corrompre, ils en attaquent à votre intégrité, ils en attaquent à votre personne, ils vous arrêtent, ils vous battent et des fois, ils arrivent même à vous tuer. Donc, ça aussi, c'est fort possible. Nous, en Haïti, quand il y a eu le Petro-Caribe Challenge, la première des choses qu'ils ont fait aux Petro-Challengers, c'est-à-dire aux militants anticorruption, c'est qu'ils ont commencé à attaquer l'intégrité. Ils ont commencé à dire que ce sont des grands hommes d'affaires qui nous payaient, qui nous donnaient de l'argent, que le mouvement était financé, que le mouvement, c'était un mouvement des leaders de l'opposition politique qui nous dirigeaient. Donc, ils nous enlevaient comme citoyens toute capacité de penser, de raisonner et de vouloir lutter pour nous-mêmes, pour un lendemain meilleur, pour le changement. Donc, tout ça, il faut avoir énormément de force morale et se tenir derrière ses convictions, avoir sa colonne vertébrale bien droite pour faire face à ces attaques-là, parce que ce sont des attaques qui sont constantes. Et quand on persiste maintenant dans la lutte, ta vie sociale change aussi. Et on perd son travail, on perd ses amis, on perd les cercles de gens qu'on a l'habitude de fréquenter, les gens ne nous parlent plus, on devient comme une paria parce qu'il y a cette peur, cette psychose qui habite toute la population, qui fait qu'on ne parle pas de politique, on ne parle pas contre le gouvernement, on ne dit pas ses opinions ouvertement et contre le gouvernement parce qu'on a peur et on vit cette psychose de la peur-là, ou du moins, comme en Haïti, on est d'une génération complètement dépolitisée où la pensée était « ne te mêle pas de politique, c'est pour les vagabonds, c'est pour les corrompus, si tu te mêles de politique, tu vas te faire tuer ». Quand on commence maintenant à se mêler de politique, il y a cette accusation qui vient directement des différents laboratoires à diffamation qui travaillent et qui disent que ils travaillent pour l'opposition politique, ils ont reçu de l'argent de tel homme d'affaires. Donc quand on fait face à ça, premièrement il faut pouvoir résister par rapport à ses convictions et ça devient très difficile d'encourager d'autres personnes à rejoindre la lutte parce que ces autres personnes-là ont peur de ces critiques-là, ils ont peur de ces attaques-là, ou du moins c'est plus facile pour eux, comme tu le disais Maud, de gérer leur petit quotidien, leur petit au jour le jour, parce qu'au moins ils ont le contrôle sur ça. Quand on vit dans un pays où en 24 heures, il y a 12 cas de kidnapping, par exemple, ou hier après-midi, à l'heure à laquelle les enfants sortent de l'école, il y a un gros assassinat sur une route principale, par exemple, où on dort et chaque soir, il y a les bruits des balles. Donc, il est très facile pour les gens de se conforter dans leur petit semblant de quiétude, leur petit semblant de train-train quotidien et de ne pas se mêler de la lutte. Donc, la majorité de notre travail est d'expliquer aux gens pourquoi il faut lutter. Pourquoi il faut se mêler de politique? Pourquoi ce sont les mauvaises politiques, les mauvais politiciens, la corruption, l'impunité qui est directement responsable de la situation invivable dans laquelle nous vivons? Et je pense que notre histoire en Haïti est similaire à celle du Congo aussi, où un pays qui a été autant victime de guerre et qui jusqu'à aujourd'hui, Rebecca le disait tout à l'heure, il y a encore beaucoup de conflits armés entre les tribus, il est probablement plus facile pour les gens de se conforter et d'essayer de survivre, de ne pas se faire tuer, que de se mêler de la lutte et de se dire « je dois me battre pour changer mon quotidien aujourd'hui, mais surtout pour changer le quotidien, l'avenir de ce pays que je veux laisser à mes enfants, pour que notre pays soit un choix pour nos enfants. » Aujourd'hui, moi, l'une des raisons pour lesquelles, qui me motive chaque jour à continuer à me battre, c'est parce que je veux qu'Haïti soit un choix pour mes enfants. Je ne veux pas que mes enfants soient dans une situation où le seul moyen pour eux d'avoir une vie décente, c'est de laisser Haïti.
Donc, ça me motive, ça me permet de continuer en dépit des attaques contre l'intégrité, en dépit des menaces, en dépit du fait de perdre tout son travail, de perdre tous ses cercles sociaux, de rester dans une précarité énorme, et en dépit du fait que, oui, nous pouvons y laisser notre vie. Quand on s'engage à lutter, surtout dans des pays extrêmement corrompus, où il n'y a pas de justice, l'impunité règne, ce sont des combats, non seulement on engage toute sa vie parce qu'on n'arrête pas de lutter, mais on sait très bien qu'on peut y laisser sa peau et on fait la paix avec ça. Voilà. Merci Vélina. Donc, je vais peut-être revenir avec Rebecca Kabougou sur la question de la récupération des mouvements qui étaient posés par Edmond Séraphin. Donc, quelle tentative il y a pu y avoir de récupération du mouvement et comment est-ce que vous avez réagi stratégiquement à ces tentatives, s'il y en a eu? Oui, il y a eu quelques récupérations de la part de l'opposition ou de certaines personnes politiques qui essayaient de récupérer nos actions. Quand on fait la lutte non violente, aussi, il y a tout le monde qui a envie de dire que c'est moi qui ai organisé ça, c'est moi le leader de la lucha ou de tel ou tel autre mouvement. Il n'y a pas que la lucha en RDC, mais quand il y a des manifestations pareilles, souvent, nous communiquons sur nos manifestations, mais aussi nous avons notre signature par rapport à nos messages. Quand on fait des messages, il y a une signature de la lucha. On met une flèche verte. Pourquoi le champ de la couleur verte? C'est l'espoir que nous portons sur notre pays. Au début, la lucha avant le nom de la lucha, il y avait vraiment des récupérations politiques par rapport à nos manifestations, parce qu'on mettait seulement des messages, on partait dans la rue sans avoir des noms, sans avoir des signatures sur nos messages. Il y avait des hommes politique qui récupérait ça. Et c'était difficile, quelqu'un qui a déjà communiqué sur votre manifestation, c'est un peu difficile de voir, d'aller communiquer sur ça. Souvent, ça nous blessait vraiment, ouais, ça nous blessait, mais quand on a opté pour avoir un nom de la lucha, c'était un choix aussi libre dans le mouvement, mais aussi de signer sur nos messages, pour être responsable de nos messages, au lieu qu'il y ait récupération après nos manifestations. Mais c'est une bonne chose qui, si ça inspire les gens de s'approprier cette lutte quand il y a la lutte non violente. Souvent, je me sens libre quand quelqu'un s'est dit, je suis là, je suis parmi vous, parce que c'est la lutte non violente. Donc, la non-violence aussi paye deux fois. Et j'encourage d'autres personnes d'intégrer, de prendre conscience et d'intégrer la lutte non violente, parce que ça paye et ça donne... chacun a besoin de s'identifier dans cette lutte, et pour moi, je suis fière de ça. Et j'encourage d'autres personnes d'intégrer la lutte. Merci beaucoup. Et donc, on va revenir un tout petit peu sur la dernière question. Et donc, elle s'adresse à Rebecca, mais aussi à Marlène. C'est par rapport, d'une part, au film. Quel impact est-ce qu'il a pu avoir, donc, cette visibilité, les prix, quel impact ça a pu avoir sur la lutte? Et alors, il y avait la question de Wilson Tiercin sur Chocarella, sur le fait que, en tout cas, lui, il a l'impression que les productions artistiques ou les films ont une plus grande acceptation au sein de l'opinion publique que la lutte elle-même. Alors, est-ce que ça doit être séparé? Est-ce que ça va ensemble? Je voulais savoir un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Bon, je peux parler de l'impact par rapport après la diffusion du Congo Lucha du film. On a été contacté plusieurs fois
Je félicite d'abord Marlène en passant pour ses choix de faire parler de la lucha, de ce que nous faisons au quotidien, de notre vie, de chaque jour. C'est une façon à elle aussi de mener sa lutte et faire connaître la lucha partout dans le monde. On a eu des retours par rapport au film Congo Lucha. Il y a plusieurs questions, plusieurs gens qui se sont intéressés à notre lutte à cause de grâce à ces films. Aujourd'hui, j'ai intervenu dans, pas aujourd'hui, les semaines passées, dans une conférence à Reims, en France. Par rapport à ça, en fait, ils ont vu le film Congo Lucha et donc ça a impacté beaucoup de gens, ça a impacté beaucoup des Congolais qui ont aujourd'hui envie. Le film Congo Lucha est diffusé presque aujourd'hui dans des forums citoyens, dans des réunions des activistes. Plusieurs activistes ont suivi le film Congo Lucha, et grâce à ça, les gens sont indignés, ils ont envie d'aller de l'avant et intégrer la lutte. Je félicite encore Marlène par rapport à son choix de filmer la lucha. Moi, je pense que c'était important je pense que au Congo, c'était important aussi de montrer qui sont ces militants. Et de leur donner la parole, qu'ils puissent pas sur le vif des actions, sur vraiment, mais de qu'ils puissent expliquer ce que ça engage pour dans leur vie de faire ce choix, effectivement, de se battre et de se dire que s'ils ne le font pas, qui le fera. Et ça, c'est vraiment des questions, je pense, existentielles, tellement importantes, de savoir quel choix on fait dans notre vie. Est-ce qu'on essaye de faire avec, ou est-ce qu'on fait contre et on essaye d'agir. Et je pense que la voix de Luc, de Rebecca et d'Espoir sont des voix très, très importantes pour saisir, je pense, cette conviction intime qu'ils ont réussi à avoir malgré, effectivement, comme disait Rebecca, tout ce formatage traditionnel, familial, de l'école, cette autorité qui vient répéter dès le plus jeune âge que en gros, on n'a pas grand-chose à dire quand on est jeune, et qu'il faut respecter les plus anciens, et que l'autorité aussi mérite tout nos respects. Enfin, je veux dire c'était vraiment important que... Je pense que le film aussi devait véhiculer ça, ce courage qu'ils ont d'aller parler là où on ne les attend pas et là où on ne leur a jamais donné de place. J'espère vraiment que ce film pourra être vu par un maximum de personnes au Congo pour cette raison-là. Au niveau des retours au Congo, je les ai à travers la lucha. En France, en Europe, en Occident, je crois que c'était tellement nouveau et tellement... je pense que les prix sont venus aussi récompenser ça, c'est-à-dire de donner, porter la voix de jeunes qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre. De parler d'une situation précise qui est celle du Congo, mais qui reste méconnue, et on a souvent l'habitude je pense que le public occidental a souvent l'habitude de voir le Congo à travers ses guerres et sa grande pauvreté, mais il est rarement donné à entendre la voix des jeunes et des militants et dans leur choix vraiment très, très personnel de prendre cette voie-là. Donc voilà. Après, moi, j'ai bon, forcément, on a toujours des regrets et des,
et on traîne un peu des lacunes comme ça dans nos films. Je pense que moi, je me dis que j'ai effectivement réussi à donner la parole à des... à ces militants-là, mais il est aussi important de saisir comment cette grande corruption, comment est organisée cette grande corruption, quels sont les, pourquoi au Congo on n'a toujours pas d'eau, pourquoi on n'a toujours pas d'électricité dans les maisons, comment tout ça s'organise, et c'est vrai que le film ne peut pas non plus tout raconter, ne peut pas apporter des réponses à tous les niveaux. Je pense que là, le film est vraiment, finalement, c'est un portrait d'une jeunesse engagée aujourd'hui dans une lutte nécessaire, indispensable. Et donc, il s'agit plutôt de découvrir ce nouveau mouvement qui, j'espère, fera longue route et continuera longtemps, parce que c'est vrai que c'est important. Merci à Maud qui nous a apporté les questions. Et merci à Marlène pour ce film et à Vélina et à Rebecca. Je dis bonne lutte. Ici, on parle beaucoup de combat. Je dis bon combat. Je dois faire d'autres remerciements. On arrive au terme de cette discussion. Donc, je remercie les différentes pages qui nous ont gracieusement emprunté leur espace pour la diffusion simultanée de cette discussion. Bon, merci à Haïti Demain, à BiblioTapTap, à la Bibliothèque Monique Alix, à Camp de Débat Focal, Chocarella, au Centre Pen, au Centre Culturel Catherine Dunham, à Star TV, à Focal, à Ticket Magazine, à Top Haïti, à Le Centre d'Or, à Patrick Amazon, à Nous Papi et à la page de Corps Social Culture, la page. Voilà. Mais donc, Mardi Doc continue sur la plateforme Eventive. Allez sur cette plateforme pour regarder le film. Je vous rappelle qu'il y a seulement 100 personnes pour le public en Haïti, donc soyez parmi les 100 personnes qui regarderont ce film dont on vous a beaucoup parlé aujourd'hui. Et puis le prochain film, mardi prochain, ce sera un film de Sam Ellison, Chercher la vie, que vous pourrez regarder et dont on parlera. Donc, d'ici là, je vous dis bon visionnage pour le film et à très bientôt sur cette même page où vous regardez pour une autre édition d'une discussion autour d'un film dans le cadre des Mardi Docs.